Allez, on accueille les vainqueurs du soir de cette night très session. Attends, t'as le micro là, non? Moi j'ai le micro. Ah ok. Moi j'en ai un. Parfait. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Merci Thomas, bravo. Bravo Narobuena, Ignacio. Bien, partie solide, pas facile. Ça pouvait être un peu un piège, on va dire. Ouais. Parce que le jeune joueur, moi c'est un très jeune joueur, Pablo Sanchez, est associé à Fran, moi, un joueur très connu quand même sur le circuit et très solide. Donc déjà bravo pour. Ça va, j'arrive dimanche. Écoute, c'est toujours compliqué ce genre de match parce qu'on aime bien savoir qui sont nos adversaires. Fran, on connaît très bien, on sait comment il joue. Mais Pablo, on ne pouvait pas mettre de tactique, on ne le connaissait pas. Donc on arrive un peu en découverte. On essaye à chaque jeu de savoir de quoi il est capable. On a vu que sur des jeux, il était capable de choses très bonnes et sur certains jeux, il baissait un peu. On a eu, nous, des gros problèmes de concentration. On a un peu sorti du match. Le match manquait vachement de rythme. Tout le monde nous a dit que ça sortait énormément. C'est vrai, mais le fait avec le toit noir, on n'a rien vu. Donc on n'a pas pu être bon en ce match. Donc on a essayé de trouver des solutions ailleurs. Et c'est vrai que bon, ben, on a essayé d'être solide pour pouvoir sortir ce match. Vous l'avez été, en tout cas. No, Tomás dice que no fue fácil porque no conoces mucho a Pablo y que no es fácil cuando tú llegas a un partido y tú no conoces mucho a tu rival y que tienes que adaptar un poquito y que al final que la pista sale mucho pero que no se ve mucho también con el techo, por eso no fue muy eficiente el smash y que tenía que adaptarte y hacer otras cosas para ganar el partido. Totalmente. No, eso, como dijo él, la pista no sale tanto, como uh-huh. parece. Es verdad que tampoco se ve tan bien, o sea, porque es muy alto, entonces se ve como todo negro. De las primeras 10 pegadas nos vendimos 8, literal, pero bueno, nada. Y sí, fue muy complicado, felicitar a los chicos. A Pablo no lo conocíamos, la verdad, entonces fue difícil porque no sabíamos bien qué es lo que suele tirar él y tal. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Felicitarlo a Tomás, una vez más también de local en Francia, así que nada, muy contento. Bon, je ne vais pas vous retenir très longtemps parce qu'il est un peu tard et que demain, il y a encore 271 hein, qui vous regardent. Et il y avait, on était à quasiment, on était à quasiment 600 téléspectateurs quand même. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout hein, pour l'heure. Et demain, vous jouez donc pas avant 13h, j'ai vu ça. Ah ouais ? Oui. Oui, vous ne jouez pas. Lui. Il n'y a qu'un match demain. Ils sont durs. Il n'y a qu'un match demain. Ils sont durs, on finit à 23h. Il n'y a qu'un match demain. Pero ya terminó a las 11:30 y no quieren hacer la una, ¿cómo hacer? Ah. La una de mañana. Así. ¿Cómo la mañana? La una de la tarde. De la tarde, no de la mañana. Pensé que decía que arrancaba tipo la una y nosotros seguíamos. No, no. Sí, yo también, pero no. Pero no. Esa no. Es esta. Sí. Contra Picho y José. ¿Acá? Sí, en la pista, misma pista. Sí, la pista la conocemos. A ver, va a salir más y mañana se juega con salida. Mejor. Por eso. A ver si lo enganchamos mañana. No, mejor, porque si es sin salida, por querer sacarlo todo, nos vendemos todo. ¿No? Si es sin salida, directo le pego y ya está, lo vendo. A ver si lo enganchamos una mañana, ¿no? Bueno, ¿cómo la veis el partido solo mañana contra Picho y Pincho? Y un partido complicado. Si la bola no llega a salir tanto es muy complicado porque Pincho es de pinchar, por el nombre, ¿no? Todo el globo. Nada, es complicado porque las tira al cielo. Entonces, nada, va a ser un partido que vamos a tener que estar muy concentrados. Y que se juega. Y hay que jugarlo y nada, me gusta el partido, así que nada, hay que descansar ahora y mañana con todo. Sí, por eso, ahora. Ahora a dormir, sí, a descansar. A comer algo. Y a comer algo. Sí. Ni siquiera hacer la hora que... Las 11:30. Bueno, nos vamos. Esto ya no es hora para chicos de mi edad. Tienes 12 años, boludo. Il a 13 ans à côté de moi. Il n'a pas l'habitude de coucher aussi tard. Papa Thomas. Hein? Exactement, ouais, j'ai un an de plus que lui. Ouais. Même pas. De quel mes eres? Ah non. Febrero? Ouais. Marzo, j'ai 4 mois de plus que lui. Ouais, ça va. Mais je suis comme son père. Non. Oui, que l'on ne comprend rien en français. C'est que son papa. On va vous laisser. Bonne nuit. Non. Merci, Mélissa. Bonne nuit. Désolé de t'avoir fait attendre toute la soirée. Bon, ça, on n'est pas fait 3-7. Hein. Mais demain, on va essayer d'apporter la petite surprise.
Ah, ça, oh, ça me touche. Et bah, je l'attends avec plaisir. Surtout qu'à 13h, je serai beaucoup plus en forme. Donc, je serai vachement. Merci à tous ceux qui sont restés et à demain. Oui, à demain.